ceux qui me regardent, qui disent que Vetiver n'est pas aimé. Hein? Les fêtes approchent. Non, depuis la rentrée, vous avez baissé les mains. Depuis la dernière fois, dit non, si il vient, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Ok, j'ai compris. Là encore, vous dites que les fêtes approchent. Envoyez mes étoiles. C'était juste pour rire. C'est pour montrer aux gens que. C'est l'un des toits que j'ai reçu qu'elle a. C'est pour montrer aux gens que je suis aimée. Voilà, vous allez pleurer. Anna, merci encore pour les 1000 étoiles. Vous allez pleurer parce que envoyer 300 même euros à quelqu'un par mois, c'est beaucoup pour moi. Et puis ça, c'est étoile. Hein. La dernière fois, là, le papa des amis de la Côte d'Ivoire, il m'envoie encore 300 euros. Lui, c'est 300 euros de la Côte d'Ivoire. Il m'a dit que chaque fois du mois, il va m'envoyer l'argent. Ça vous dit que je suis aimée. Il y a des sons fâchés. Ils sont fâchés. C'est pour dire que je suis aimée. Voilà. Vous dites que j'ai personne derrière moi. Vous dites que je n'ai personne. Vous allez voir ce que j'ai gagné là. Voilà. D'accord? Moi, je ne sais pas cadeau de TikTok. Il a dit qu'il ne veut pas cadeau de TikTok. On doit ici. Ça va chauffer. Et ça là, c'est un compliment. Ça là. Quand l'âme des fêtes, il va m'envoyer paye des Facebook là demain. C'est vite venu aujourd'hui. Normalement, c'était les 22. Mais c'est vite venu aujourd'hui le 20. Le soir que c'est venu, ils aiment toujours envoyer vers 21h, 22h, façon là. Quand ils vont compléter là, s'il veut payer, s'il veut me porter lui, vu ton Prada là, il est porté. Mais le moment n'est pas encore arrivé. Là, là, la nuit là, j'ai commandé ma chaussure Dolce Gabbana, que j'ai vu porter ça. Mon enfant a porté Gucci avant moi. Ça joue pas. Voilà, donc la mère sera en Dolce Gabbana sneaker dans ses pieds. La chaussure, même mon chino, tout ce qui est payé, je porte. Parce que ça me fait que maintenant, c'est que je paye là, je porte une fois et puis je porte plus. Je suis assise maintenant comme ça. On est quelqu'un qui n'a pas de vêtements. Ah, je pas. Donc, pour ce soir, j'aimerais vous dire merci à tous les amis de Vette pour les étoiles que vous m'envoyez. Parce que ce que vous m'envoyez en question, ça prouve de l'amour. Ça prouve vraiment que vous m'aimez terriblement. Voilà. Même si c'est 24 euros, même si c'est 20 euros, c'est beaucoup. Voilà. Je m'amusais, j'étais en train de plaisanter. Je vous dis merci ce soir encore. Parce que vous avez vu un peu ce que vous m'envoyez. Voilà. J'ai payé. Si il casse, c'est pas bon. Je vous montre, ah, c'est que voilà ce que vous m'envoyez. Voilà. Il était dit, hein, c'est ça même, c'est ça même. Donc, du coup, continuez à m'envoyer mes étoiles. On a qu'à arriver à moins à 5000 étoiles ce soir, s'il vous plaît, pardonnez. À 5000 étoiles. Voilà. On va continuer et puis soyez toujours là pour moi. J'ai d'argent, on déclare, on sait pas combien ça l'est ou pas, s'il te plaît. Ange Michael Traoré, moi je suis réglo en France. Je fais les trucs. Merci beaucoup d'aider à placer dans les étoiles. Je suis réglo en France. Comme on appelle ça, tout ce que je fais, j'ai mon avis d'imposition derrière. J'ai mis mon avis d'imposition, j'ai mis mon sirène derrière. Si la France n'a pas coupé, c'est leur problème. Mais parce que normalement, les étoiles, là, quand ils envoient, les gens coupent en fait. Donc sûrement, ils ont déjà coupé avant. Voilà, parce que si une personne m'envoie, par exemple, 100 étoiles, je peux recevoir peut-être 70 étoiles comme cela. Parce qu'ils coupent en même temps. Ils coupent tous les frais, Google, par-ci, par-là. Et puis moi, je reçois pour moi. Voilà, donc tout a été, toutes mes informations ont été mises en fait. Donc, c'est aux impôts de faire leur truc de entreprise de la paresse. Moi-même, j'ai fait ma entreprise et puis m'asseoir. Pas, je suis fatiguée. Voilà, donc je dois aller aux impôts, mais je la paresse. Donc voilà, donc, je sais pas trop. Quand l'année va finir, quand je vais faire, bien finir l'année, c'est qu'ils vont faire là. Si un impôt m'envoie jusqu'à on a dit l'année prochaine, là, je te dis si on paye ou pas. Voilà un peu. Voilà. Mais c'est que Facebook coupe, il coupe dedans, puis nous envoie le reste. Dans toutes choses, on coupe. On ne fait rien pour rien. Voilà. Mac là, il est compliqué. Voilà pourquoi Mac, c'est pour ça que Mac là, il joue mes lives. Donc, on va commencer le live, les amis. On a plus de 250 personnes à me suivre en ce moment. Lui, c'est la lionne, la fille de Nonzi Paul, qui n'est plus à présenter. Le seul papa qui est mort et puis les stars. Ça y est, lui, il est mort et puis les stars. Tu as douté quoi? Ça y est, il est mort et puis les gens veulent lutter son nom. Non, je suis la fille de Nonzi Paul, la sixième fille, troisième. Sixième enfant, troisième fille, 10 enfants pleins, et puis il est parti, on est assis. Elle n'est pas encore mort parmi nous, on est au complet pour assis. Les 10 enfants de M. Nonzi Paul sont là. Les Tebao sont là. C'est la différence. Si tu vois quelqu'un qui l'appelle Tebao, c'est que c'est mon frère. Si tu vois quelqu'un qui l'appelle Tebao, c'est pas mon parent. Voilà. Il est Té, mais il a mis la différence pour pas qu'on soit mélangé. Voilà. Donc quand je suis Té, mais je suis, c'est la femme. Nous, il nous appelait Tebao. Voilà. Donc si vous avez Tebao, vous avez même un petit qui s'appelle Tebao. Vous avez un truc qui s'appelle Tebao. C'est de ma famille. Mais Tebao, c'est pas de ma famille. Il y a différence entre Tebao et Tebao. Voilà, Tebao, c'est le longeotif. Le longeotif du nom Té. Mon longeotif. Bon, avant de rentrer dans le but du sujet, j'ai fini de faire mes origines. C'est pour ça que j'ai pu me parler. Ce sont des premiers. Et c'est quelque chose qui a commencé tout doucement. Et au fur et à mesure qu'il commence, il y a l'évolution qui est là. Au départ, c'était quand même bien. Et arrivé à un moment donné, ça commençait à être la merde côté vestimentaire. Côté style, les gens ont voulu, parce qu'une année, ils ont fait, on a dit, wow, lui, il a créé ça, lui, il a fait ça. Et du coup, l'année qui a suivi, surtout l'année dernière, c'était vraiment l'hécatombe. C'était vraiment la bêtise humaine qui nous a servi. Et on a déploré cela.
Mollard en question, il n'a pas dit pourquoi on insulte son premier, tout ça et tout, tout, tout. Il a imposé un thème qui est African style, African chic. Il n'a pas dit traditionnel chic, mais il a dit African style, chic. Voilà un peu. Et il a imposé un thème, chose qui était vraiment très, 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 très bien. Partez-le là, s'il vous plaît, les amis des bêtes. Qui était vraiment très, très, très bien. Hier, la doco a été faite par Monsieur Reda Fawaz. Voilà, toute... félicitations, si je peux le dire, voilà, à Monsieur Reda Fawaz qui a fait une très belle décoration du premier hier. Quand c'est beau, toujours, je vais dire que c'est beau. Je n'ai pas d'ennemis, je ne suis pas trop, mais quand c'est vilain, je vais dire que c'est vilain. Donc, hier, la décoration du premier a été faite par Monsieur Reda Fawaz en question et c'était vraiment très bien décoré. Voilà, bravo à vous, voilà, bravo à vous, Monsieur Reda Fawaz, pour le travail que vous avez abattu hier. Vous avez donné une qualité magique par votre doigté magique et votre intelligence à cet événement hier. Et on avait la présence surtout du côté francophone, voilà. Et quand ça va prendre, quand ça va évoluer au fur et à mesure, on pourra faire africainement, c'est-à-dire Afrique francophone et Afrique anglophone. De la manière que les Nigériens font leur truc en question, ils mettent Tanzanie, ils mettent le Kenya, ils mettent Johannesburg, ils mettent le Ghana dedans parce qu'ils font ça en pays anglophone. J'aimerais qu'on fasse ce côté en question. Donc du coup, Monsieur Mollard, tout bravo à vous, chapeau à vous pour l'événement. Pour moi, dans l'ensemble en question, votre événement a eu une évolution positive. Ça a été vraiment super dans l'ensemble. Voilà un peu. Ce n'est pas de votre faute. Voilà, vous avez voulu changer les choses. Vous avez voulu mettre les trucs au pas. Mais, et je dis vraiment un grand mais, vraiment mais, les stars ivoiriennes, les personnalités publiques ivoiriennes en question manquent vraiment de style événementiel en question. Et ça, on ne peut pas dire que c'est votre faute. Vous allez faire le plus important. Vous allez faire ce que vous pouvez faire. Si l'autre côté a échoué, ce n'est pas de votre faute. Voilà. Concernant nos stars ivoiriennes, les personnalités influentes ivoiriennes et les personnes populaires d'Internet, de Facebook, de TikTok ivoiriens, voilà, parce que je dis bien, parce que dans le premier en question, ne confondez pas les choses. Tout le monde n'est pas influenceur. Et être influenceur ne fait pas de toi une star. On appelle les choses par les noms. Et moi, je suis comme ça. J'aime appeler les choses cinématographiques. Je connais le mot, je sais écrire. Je sais appeler ma tête, ma langue est lourde. Je sais aller à l'école. Mon papa n'est pas français, mais je sais aller à l'école. C'est le père d'ailleurs, Robert, qui est français, puis son papa l'a pas mis à l'école, puis les bâtards, elle est bête, elle est illettrée, elle peut pas lire les choses. Quand on dit elle dit non, bi. Mettez vos enfants à l'école pour ne pas finir comme ailleurs, Robert. Bref. C'est ça, Sylvia. Donc, on continue. Donc, il y a cette catégorie de stars. Voilà un peu. Donc, du coup, une personne qui a connu l'influence sur Internet en question, moi, pour moi, est une personne, est une influenceuse, est une personne populaire. Donc, du coup, aujourd'hui, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, donc, ce genre de star, ce genre de personne aujourd'hui manque de créativité, manque vraiment de comment s'habiller à un événement. Voilà. La dernière fois, on était ici, je pense que c'était il y a quelques mois. On était ici et puis on a vu, comment on appelle ça, le African, attendez, je regarde, c'était quoi déjà là, le African quoi de, je vais dire le nom tout à l'heure. Oh, mais pourquoi toujours m'envoie ça, arrêtez un peu, TikTok aime ça des, oh, quittez là, en dit TikTok, c'est pour qui mon goût de. On a vu des stars, comment on appelle ça, nigériennes, qui nous ont montré des tenues à nous couper le souffle. Vraiment des tenues vraiment très, 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 très belles. Je vais vous montrer ces tenues-là en question. Regardez un peu. C'était au Africa Magic Viewer Choice Award 2023. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu les tenues. Voilà, je rapproche. Voilà, vous voyez un peu les tenues. Ce sont des tenues qui nous ont coupé vraiment le souffle. Les filles étaient vraiment, vraiment splendides. Les stars étaient splendides. Franchement, c'était du haut level en fait, en réalité. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu ce que je voulais que nos stars ivoiriennes, nos influenceuses ivoiriennes peuvent aller faire. Mais, sachez que l'esprit francophone est un esprit maléfique. Pourquoi je dis ça? Parce que les anglophones prennent en question n'ont pas la même manière de réfléchir comme nous.
Non, pas du tout. Les anglophones ne réfléchissent pas comme l'esprit francophone. Un anglophone, quand il fait un travail, même si un anglophone lui vend de l'eau, il va mettre tous les moyens qu'il faut. Même si c'est son dernier argent en question, il va mettre tous les moyens qu'il faut pour être le premier dans la vente d'eau. Quand on choisit, oui, moi où je suis Sylvia là, je suis lavée de cul professionnel. C'est mon métier que j'ai choisi. Et mes accessoires en question, il y a mon téléphone, non, il y a d'abord mes gants, il y a d'abord mes protections, les serviettes, les vêtements des gens qui vont porter, l'invitation des gens, et puis être pauvre. Non. Je suis désolée. Et c'est cet esprit-là qui fabrique l'esprit francophone. Vous les voyez, ils sont toujours les premiers à prendre les cartes d'invitation. Parce qu'ils veulent qu'on leur dise, oui, j'étais à tel événement, j'étais passé par là. Mais quel est ton matériel? Tu as décidé de te mettre à l'avant. Tu as décidé d'être vraiment devant les projets. Parce que quand tu rentres, être star, c'est étoile. C'est une étoile qui brille. Tu ne peux pas t'appeler star et puis tu vas pas briller. Je suis désolée. Il faut être à l'image du métier que tu as choisi. Quand tu décides, de te mettre à la lumière sous les projets, parce que quand c'est ça que tu arrives, la lumière c'est sur toi, on te voit derrière moi. Donc ce que tu reflètes, ce que tu portes en question doit impressionner. On doit regarder, waouh, oh my God, oh my God, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est ton matériel, ce que tu vas prendre pour te vêtir, l'habit que tu vas porter, c'est ça ton matériel. On ne peut pas dire que je suis stagiaire connu et puis tu es incapable d'avoir un styliste à toi. On ne peut pas dire qu'on est stagiaire connu. C'est quand il y a un événement que tu vas courir maintenant pour dire non, non, il faut que j'ai pas fait un habit. Et quand tu fais un habit, c'est un seul habit. Une star en question doit avoir garde-robe. Quand tu es influenceuse, quand tu es une personne populaire, que tu veux aller dans tous les événements, tu dois avoir une garde-robe d'habits d'événements. Ça veut dire que tu as assis chaque mois que tu as fait ton style. Faut me faire un habit. Et puis il faut te déposer. Tu te prépares à l'avance. Les, comment on appelle ça? Les influenceuses ivoiriennes sont avares et pauvres. Au Nigeria, au Ghana, au Cameroun, en Guinée, au Mali, on parle des milliardaires. Même des femmes milliardaires. Vous savez, dans ce pays que je viens de citer, être milliardaire là-bas, c'est rien. Il y a des milliardaires en vrai là-bas. Et des filles qui sont influenceuses, elles sont avec des milliardaires. Quand tu sois un milliardaire, tu es millionnaire. Donc payer habits, 3 habits à 2 millions, c'est rien pour eux. Prendre un slip pour dire, ah, une robe pour 500 000, 700 000, c'est rien pour eux. Mais en Côte d'Ivoire, il y en a combien de milliardaires? Les milliardaires se construisent le bout du doigt. Quand tu sors Baba, tu sais qu'il est dans le gouvernement. Nia, on va aller voir ça. Quand tu sors avec quelqu'un qui a l'argent un peu, il est dans le gouvernement. Même dans le gouvernement, même pour 3 milliardaires, c'est un problème. Ils sont l'esprit francophone. Voilà. Donc, pour ça, ça est dans le pays, là, pour trouver milliardaire, qu'est-ce que c'est le problème? Donc, où elles vont être millionnaires en France, c'est difficile. Elles sont centenaires. Elles pensent que gagner les 100 000, les 200 000, les 300 000, les 500 000, c'est l'argent. C'est pas l'argent. Quand on choisit d'avoir un niveau de vie, d'être sous les projecteurs, tu dois toujours parler en millions. Et non, en 100 000, non, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 900 000, c'est pas l'argent. Même 1 million, c'est pas l'argent pour une fille qui, une qui dit qu'elle elle est star. Vous êtes la plupart du temps pauvre. Ce soir, je voudrais faire un big up à Vital. Vital, tu étais juste waouh. Tu étais juste waouh. Ayez le comportement de Vital. Vital n'est pas avare. Quand il y a un événement là, si elle dit je ne suis pas là, c'est qu'elle n'est pas là. Mais Vital ne peut pas être là et puis c'est là bizarre. J'ai envie de leur dire que pourquoi elle porte deux robes. C'est ça. C'est ça, on dit ça. Une star doit avoir des... Ça y est, même elle devait porter même 3 robes. C'est ça. Vital connaît la chose. Et toutes ces 2 robes qu'elle a portées, c'était juste magnifique. Vital, tu as une très belle forme. Vital n'a pas fait de chirurgie. C'est-à-dire que même si elle a mis sa gaine un peu pour serrer, mais c'est trop joli, elle aime beaucoup, elle a de belles jambes. Non, Vital, tu vois, quand c'est bon, j'apprécie beaucoup. On dit que tu ne sais pas chanter. On dit que tu ne chantes pas bien et c'est une vérité. Même dans la chanson, tu essaies de t'améliorer. Mais quand on dit événement de star là, tu ne te négliges pas. C'est ce qui me plaît chez toi. Hier, tu étais celle-là pour moi qui a respecté le thème en question et tu as mis le niveau là. C'est-à-dire ton niveau où tu as mis là, personne ne pouvait t'arrêter, t'arriver là. Personne ne pouvait t'atteindre. Tu étais tout simplement à Nollywood. Tu étais tout simplement avec les Eni Edo. Je te vois. Quand tu as porté ta robe noire, il dit, my God, si Vita porte ça pour aller dans, comment on appelle ça, au Nigeria, dans un événement, au Nigeria. Mais on a dit que la fille est anglophone.
ils vont te confondre avec Yemi Alade. Parce que c'est un peu même forme, même droit du bras. Et ce dépend en relation à la putain, en France, c'est pas. Donc, faut lui mettre en contact aussi. Faut lui dire, va faire ta, tu as fait ta publicité, puis tu as fait ce numéro. On va prendre. Parce que moi-même, j'ai besoin de stylistes ici. Je ne connais pas bon stylistes ici. Donc, ce qui fait que je ne veux pas d'événement. Je suis couché chez moi à la maison. Vraiment, faut mettre son numéro. Il a fini de t'apprécier, pardon. Mets le numéro. Nous tous, on va aller là-bas. Chapeau à toi. On a aussi Roselyne Layon. Ça fait deux fois qu'elle m'est pas. Deux événements. Roselyne Layo a compris la chose. Roselyne Layo était celle-là même quand on parlait sur elle. Les gens se moquaient d'elle. Ah, Roselyne, elle ne sait pas s'habiller. On a critiqué ses vêtements. On a critiqué sa manière de, sa façon de s'habiller. On a critiqué. Elle a dit, j'en peux plus. Elle n'a pas pleuré pour dire que non, Marcel. Non, m'insulte. Non, je vais porter plainte contre vous. Non. C'est ça être artiste. C'est ça être star. Elle a dit, ah, mais les gens ont raison. Je m'habille mal. Parce qu'on lui a dit, Roselyne, tu as une très belle voix. Tu as tout ce qu'il te faut. Ce qu'il te manque, c'est le style vestimentaire. Et depuis un moment, Roselyne a compris cela. Et quand elle part à un événement, elle est comme ça. Regardez comment c'est magnifique. Est-ce que vous voyez la tenue de Roselyne Layon en question? Dans sa tenue en question, ça c'est African chic. Elle vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Roselyne est bas à Yakuba. Ils ont un pain chez eux, le pain Yakuba, qu'elle a inséré. Elle a inséré dans son souvent. On vous apporte des critiques. Si c'est négatif en question, ne vous plaignez pas. Améliorez ce côté. Parce que quand c'est bon, nous-mêmes, on va parler de vous avec un grand sourire. C'est ça. C'est ça. Donc, Roselyne Layo, tu étais vraiment dans le thème. Dans le thème. Il y a eu Carmen Sama aussi qui avait un côté égyptien. Elle a porté une très belle robe qui allait avec ses coupes, tout ça. Et elle a mis son côté égyptien. Et oui, l'Égypte fait partie de l'Afrique. J'aurais même voulu que d'autres même prennent un peu les tenues Bamileke. Parce que moi, je suis Bamileke. Faire un habit, un modèle avec des pagnes Bamileke, mais tratin. C'est-à-dire les pagnes Bamileke et puis moderniser cela. Ce qu'on vous demandait. Voilà ce qu'on vous demandait. On peut même prendre des pagnes du Bénin, du Mali, mais moderniser ça pour montrer l'Afrique réunie en fait. Même hélas, les Ivoiriens sont nuls dans le style en question. Oui, je le dis. Il y avait un, deux, trois qui étaient vraiment magnifiques. Moi, je parle des stars, je ne parle pas des trucs. Et on a notre personnalité populaire de TikTok qui est Mahabio. Ma copine Mahabio. Mahabio, t'as fait lourd, t'as fait fort. J'avais une vidéo de toi aujourd'hui où tu disais aux gens que oui, vous n'allez jamais voyager, vous ne pouvez pas manger. Est-ce que les gens voyagent? Non, il ne s'agit pas là aujourd'hui de voyager, Mahabio. Parce qu'il faut que je te frappe très fort. Tu as dit, ah, ma camarade là, ma copine, elle a fait quoi? Quand c'est vilain, il n'y a pas de tu es connu. Tu veux vivre la vie des stars. Tu veux vivre la vie d'étoiles. Donc pourquoi tu viens dire aux gens que non, pourquoi il ne peut pas vivre d'avion? Je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand on a l'argent comme toi, parce que je sais que tu as l'argent, tu as les moyens qu'il faut. Je te l'accorde parce que c'est pour toi, c'est un truc que j'accorde encore ton erreur parce que moi c'est une erreur que je ne veux plus revoir l'année prochaine. Parce que c'est ta première fois d'aller dans un tel événement sur un tapis rouge. Quand on a l'argent, tu as les moyens de ça. L'année prochaine, faut pas attendre qu'on t'envoie 4 invitations à une semaine. Non. L'année prochaine en question, commence déjà à apporter tes 3 tenues de première nuit. Tu mets dans ton placard puis tu gardes. Tu as les moyens de ça. Et puis quand ça approche, là, tu appelles le vieux Pemola. Ah, mon vieux Pemola, l'année dernière, tu m'as envoyé l'invitation. Non, il faut m'envoyer ça aujourd'hui. Il va t'envoyer. Tu es déjà prête. Si tu vas chez ton styliste en question, Paul, et puis c'est bizarre sur toi, tu dis, Paul, fais un geste, tu as tout le temps, sans pression, sans bruit. Un star, là, c'est tout ça qui va avec. Quand vous décidez de prendre les 4 invitations des gens pour aller à leur événement, assurez-vous que, quand il met les thèmes en question, assurez-vous de bien vous habiller, d'être bien présentable. Parce que là où vous partez là, il aura les projeteurs sur vous. Et nous, derrière nos caméras, on sera là pour critiquer. C'est pour ça qu'on ne va pas là-bas. C'est pour ça qu'on ne va pas là-bas. Donc, ma très chère amie, ma très chère personnelle, m'a dit en question, tu as fait un gros flop, en fait, en réalité, hier, dans le premier lieu en question. T'es vraiment naze, voilà. Pourtant, habituellement, tu as des tenues que tu portais de ce style en question qui cousait, qui était vraiment magnifique. Tu m'as arrêté de trop manger. Et puis, ta forme est belle. Moi, j'aime beaucoup ta forme. Mais tu as pu te porter d'une manière chic, bien. Il reste un peu, tu seras skinny. Il reste un peu, tu seras un peu à poutre. Tu es au milieu d'une manette bien chic. Voilà. Donc, il faut que ta morphologie bien. Et puis, tu fais des trucs bien pour t'habiller. Regarde Yasmine Reda. Tu n'es pas plus en forme que Yasmine Reda. Tu n'es pas plus grosse que Yasmine Reda. Mais Yasmine Reda, hier,
Yassine Redier, hier, elle s'habillait convenablement à sa morphologie. Tout lui allait très bien. Voilà. J'ai des bonnes gaines. Moi, j'ai des gaines. J'ai ma tata, qui est ma grande qui habite en Belgique, qui s'appelle Estelle Beauty, qui vend des très bonnes gaines. Écris-moi après, je t'envoie les références de ces gaines en question. Elle a de très, très, très bonnes gaines en question. Quand tu portes là, ça donne une belle silhouette, en fait, en réalité. Et c'est des gaines Anne-Michel. C'est pas des gaines Aliette. Quand tu portes, et puis tout au vent. Non, non. Des gaines Anne-Michel, c'est très bien. Et quand tu portes sur ton vêtement, tu es très, très, très bien habillé. Donc, la prochaine fois, il faut te préparer au maximum. Toi, tu as l'argent. Toi, tu as l'argent. Donc, d'accord, on va pas trop. Oui, elle mange beaucoup. Je connais ma bio. Elle mange beaucoup, non? Vous jouez, elle mange beaucoup. Ma copine là, elle mange beaucoup. Il y a lui de la vérité, puis tu vas comprendre. Elle mange beaucoup. Donc voilà un peu. Donc le premier d'hier, franchement dit, c'était bad côté star, côté influenceuse, très vraiment bad dans les tenues vestimentaires. Bon, je sais pourquoi vous êtes connecté. J'ai fini de critiquer tout le monde. Voilà. Ce que je buvais la dernière fois, c'est fini. Voilà les paquets vides. C'est vide, hein. Vous voyez les paquets vides. C'est vide. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans. Ah, ça, il reste un. My God. Voilà, là, il reste un. Il n'y a plus rien dedans. J'ai pris deux nouveaux paquets. Voilà, c'est ce que j'utilise. C'est les produits de chez... Les senteurs d'Araël. Voilà. Les senteurs d'Araël sont des produits fabriqués ici en France. C'est des compléments alimentaires fabriqué ici en France. Vous riez, on va commencer. Attendez qu'il fasse une petite pause publicitaire. Et puis bon, on va commencer le live en question en lui-même. Voilà, on va prendre 15 minutes pour entrer à Tiengla. On va à Tiengla en ce moment. Là, je suis à l'aéroport. Là, je suis en train de décoller tout doucement. Voilà, j'attends le pilote et puis on va décoller pour la Tiengla. Donc ne bougez surtout pas. Parce que le décollage sera très, très turbulent. Ça y est, on va entrer en zone de turbulence. Le pilote que j'ai pris là, c'est son premier vol. Donc, on va entrer vraiment en zone de turbulence. Donc, attachez vos ceintures. Et puis, sécurisez-vous. Et puis, regardez. On finit la pub en question. Et puis, on va aller en zone de turbulence. Ça ne change pas. Voilà. Donc, du coup, Mireille Zaha dit, je suis sa soeur de Tiengla. Ah bon? Ah bon, tu viens de Tiengla aussi? C'est ça? Ah, le petit village au bord de la route, la près d'Ibobli, qui est tout petit là, qui est bien chic là. Tu viens de là? D'autres maladies dans le corps. Donc, en buvant ce produit, vous allez faire en deux en un. C'est-à-dire, vous devez avoir une très belle peau, avoir un très beau teint et que les sont naturellement bien chic comme ça. Et puis ensuite, vous traitez intérieurement les troubles digestifs et tout, tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà un peu. Donc, on a ici le curcuma. On a ici le complément alimentaire Belle Peau. Belle Peau en question contient du collagène marin, de glutathion, de la kératine, de l'acide hyaluronique. La kératine en question a pour but de vous de prévenir contre les rides. Voilà. Contre les rides. Vous voyez, quand il faut qu'on soit ride, on ne voit plus les rides. Vous voyez, maintenant, il faut qu'on ringue. Ah, il y a belle dent, on perd la dent comme ça. Il n'y a jamais porté, il n'y a pas porté denté dans ma bouche. Ah! Il y a dents jusqu'à ici. Et puis blanche. En ride. Vous voyez, donc elle est comme ça. Vous voyez qu'il n'y a pas de ride là, voilà. Donc, ce produit en question va donner de la vitalité à votre peau. Ça va donner de la souplesse au niveau des articulations. Et c'est le Q10 qui fait tout ça en fait. La kératine va vous permettre de prévenir les rides. Et si vous avez des rides en question, de les atténuer tout doucement et les finir. Voilà un peu. Donc vous aurez aussi avec le glutathion qui est à l'intérieur et le collagène qui est à l'intérieur, vous allez savoir vous éclaircir naturellement tout doucement. Donc si vous avez des gammes de produits, vous allez dire, ah mais moi j'ai déjà ma gamme de produits de cosmétiques, je ne fais rien avec ça. Ma gamme va très bien. Non ma chérie. Les gammes de produits cosmétiques en question, arrivé au moment donné, ça va assécher ta peau. Ta peau n'aura plus de vie. Comment on appelle ça? Les compléments alimentaires. On a aussi des savons. Le savon à base de citron. Celui-là, je l'ai utilisé. Moi, tout ce qui est à base de citron me convient très bien. Voilà. Donc, du coup, celui-là, je l'utilise tout doucement. Je l'ai déjà utilisé. Vous voyez que c'est un peu gratté derrière la peau. Voilà. On a le... Et ça sent vraiment bon, en fait. Le citron, vous voyez que je sens seulement... Il sent tellement bon. En fait, c'est bien parfumé. On a celui qui est fait à la carotte. Vous connaissez les valeurs de... Moi, voici les trucs qu'ils font avec moi. Le citron et la carotte. Vous allez voir généralement que souvent,
Quand j'étais à Bijan, je prenais la carotte, le jus de carotte, mets dans ma pommade et ça allait vraiment avec moi. J'ai des savons ici à base de carotte. Dans mon savon, question, il y a du carotte dedans. Je prends toujours des savons faits à base de carotte. Mais si c'est savon existant, je prends à base de carotte et de citron. Voilà, puis avec un peu de gommage à l'intérieur. Donc ça, ça me va très bien. La carotte en question est très bonne pour la peau. Vous comprenez? Elle est très bonne pour la peau. Même souvent, vous pouvez manger la carotte tranquillement, tranquille. Et aussi, on a ça. C'est des savons que j'avais que je ne vous ai pas montré. Ah, la carotte aussi. On a aussi tous ces savons en question. Le populisme, la bave d'escargot, vous voyez. Et on a la vitamine C aussi qui est éclaircissant. Voilà, c'est des produits bio faits à la main. Ici en France de façon artisanale. Qui respectent tout le pH. Les pH sont respectés. Ces savons en question, tu es noir, tu es clair, tu es marron, tu es jaune. Tu peux utiliser. Pourquoi? Pourquoi je le dis? On va commencer par les filles claires. Tu es clair. Tu gardes ta gamme de produits cosmétiques que tu as. Tu ne changes pas. Tu la gardes. Et comme je... Voilà. Donc, du coup, ça va t'apporter de la vitalité. Ça va donner vie à ta peau. Ça va donner de l'éclat à ta peau. Ça va unifier ta peau. Ça va donner vraiment... Ça va tonifier ta peau. Vous comprenez un peu. Donc, quand tu prends ça, tu ne noircis pas. Ça ne noircit pas. Et ça, je vous le dis. Vous pouvez, vous l'utilisez une fois, une semaine dans le mois. Dans le mois, il y a 4 semaines. Et une fois dans la semaine, 7 jours dans le mois, vous l'utilisez. Je n'ai pas dit que c'est des produits éclaircissants. Ne venez pas dire que, ah, si tu fais la pub pour dire que, ah, les soins éclaircis, les soins sont éclaircis. Mais tu complètes ça à ta gamme de produits éclaircissants pour que ta peau puisse vivre. Ça, c'est pour les filles claires. Et tu prends le complément alimentaire et tu fais. Quand tu as fait là, tu vas voir qu'est-ce que ça te donne. Voilà, ça c'est pour le savon. Et c'est des très bons savons. Et puis ça va enlever les petits bobos sur ta tête. Toutes les dépigmentations. Les petits trucs sur ton corps. Ça va tout enlever. Et celui qui fait ça, c'est le propolis qui fait ça. Ce propolis en question, lui, c'est son travail. Vous comprenez? C'est son travail. Le propolis en question enlève les taches de dépigmentation. Ça enlève tout ce qui est petit bobo sur le corps. Les entrejambes très noires, ça a fini tout ça. Donc il faut l'avoir. Voilà. La bave d'escargot, tout ça qui est là. Voilà. Et donc, pour les filles qui sont noires, moi, je vous conseille de les utiliser. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin. Tu es noire, tu veux avoir un thé caramel bien chic. Tu veux que ta peau noire brille de bien de ouf. Je te conseille ce savon en question. Tu peux prendre ton lait, tu peux prendre un lait à la pharmacie. Mais, donc, il faut contacter, aller sur le site internet en question. Pour avoir vos produits. Pour avoir les produits en question. D'accord? Il y a un site internet, c'est le site Les Senteurs d'Araël. Vous tapez Les Senteurs d'Araël, D'apostrophe ou D-H-A-R-A-E-L-S. Quand vous tapez sur Google, vous allez voir le site en question. Si vous allez sur le site que vous ne voyez pas, comment on appelle ça? Ce que vous voulez, vous pouvez appeler le service commercial qui est au plus 337 83 49 05 68 pour leur poser les questions. Quel savon qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut par rapport à votre, pour vous exprimer votre problème? Et ils vont vous conseiller. Après conseiller, vous partez sur le site pour acheter. Livrer partout quand on achète sur le site. Voilà. Maintenant, si tu es en France et que tu es précisément à Paris en question, il y a la boutique à Paris qui se trouve au 45 boulevard de Strasbourg dans le 10e arrondissement de Paris. Quand tu vas arriver, toi qui es à Paris, tu auras l'occasion de voir les savons, de les toucher, voilà, de les sentir, de voilà. Et puis il y a le service commercial qui sera là pour te guider, qui va prendre le temps sur toi pour t'expliquer les choses. Et tu as fait ton choix. C'est-à-dire que tu auras vraiment un choix. Parce que dans la boutique, il y a plein de choses. Voilà. Donc, ne vous en faites pas en question. C'est des produits avec des codes barres. Voilà. Fabrication made in France. Ce que vous recherchez en question. Ah, Sylvia, le produit en question, c'est quel est son composant? C'est combien de milligrammes? C'est ça que je vais l'utiliser. Je vais l'amener de son paquet pour nettoyer un peu mon visage bien, bien, bien. Voilà. Et le savon en question, le populisme que vous mettez sur votre corps en question, vous pouvez le laisser 15 minutes et puis après, vous lavez. Même ça, vous pouvez vous laver avec ça. Pour les filles noires, vous pouvez vous laver avec ça. Voilà un peu. Donc, vous partez sur le site et tout ce que j'ai dit et vous aurez votre savon. Ne vous en faites pas. C'est les meilleurs. Je suis là pour prendre les bons produits. Maintenant, entrons dans le but du sujet. Voilà, il est 23h06, je dois aller me coucher. À 23h30, on doit finir ce live pour que je puisse aller dormir. Coucou ma Laurence, il y a longtemps des Laurencia. Non, ça ne fait pas comme ça, il y a longtemps. Hein? On dit quoi? Tu vas bien? Et la danse. Et la danse. Il a dit que quand il est passé sa paille, la fille s'est en train de danser seulement. Il dit, hé. Eh. La fille, il a aimé de venir jeter, elle est dans le danse sur le monde, elle est dansée, il y a. Mon cher, j'espère que tu vas très bien, que tout se passe bien, et joyeux anniversaire à toi encore.
Laurence est née en novembre, je suis née en novembre. Vous voyez, papa, vous voyez quoi. L'autre, toi, tu n'es pas Sagittaire, hein. Vous savez, c'est Sagittaire. La famille des bêtes. C'est relou, hein. Adresse de la dernière fois, là. C'est adresse de Macron. Maintenant, son Marguerite, là, elle m'a mis au monde. Le 25 novembre, je suis Sagittaire. Anniversaire de la dernière, c'est adresse de Macron, hein. Oui, oui, oui. Les gens se sont trompés sur ma date de naissance. Oh, de mettre le 25 novembre. Ah, voilà. Donc, je suis Sagittaire gros gain. C'est mon papa qui se trompe sur ma date de naissance. Donc, le 25 novembre, c'est dans 5 jours. Vous me souhaitez joyeux anniversaire encore, hein? C'est la lionne. Voilà. Vous riez. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Donc, je suis né le 25 novembre. Ma petite soeur est née le 25 octobre et mon autre petite soeur est née le 24 décembre. Franchement, dis une autre dans sa ligne comme cela, en fait, en réalité. Voilà. Il a fini de parler. Quand il a dit encore, vous venez de me dire, ah, qui vient? J'ai expliqué. Je ne suivais pas encore. Je suis venu me dire encore. J'ai dit que mon père s'est trompé le jour de ma naissance. Il allait mettre là-bas. C'est-à-dire, quand mon père avait mon extrait là, parce que c'est mon père qui a déclaré tout ça là-bas. Voilà. Ma mère, elle venait d'accoucher. Elle pleurait encore. La femme qui a fait mon naissance s'est trompée. Donc, ils n'ont pas changé. Mais ma maman a gardé la date dans sa tête. C'est toi qui as fait que le blanc a dit à venir à partir à ce qui s'est lève tôt. Je t'ai dit, hein. Je t'ai dit, je suis née à 5h du matin. Entre le jour et la nuit. Voilà. Donc, on va rentrer dans le but du sujet. Partage le live. Hier, on était assis là. Nous tous, on sait. C'est la même qui s'assoit sur Internet pour insulter les gens. C'est-à-dire, merci beaucoup, Rosine Nango. Donc, mettez mes étoiles. C'est toi que je peux vous demander, mettez mes étoiles. C'est l'ami qui s'assoit. Ça y est, le 25 là, on va faire étoile. La mode. On pensait qu'elle allait se lever pour aller de maison en maison pour essayer de reluquer les gens, pour essayer de les habiller et puis aller voir les grands stylistes. Leur dire ce qu'il faut. Non. La fille, si elle aime tout ce qui est facile. Elle s'assoit dans son canapé. Les gens se lèvent, ils s'habillent à leur convenance, à leur plein de leur corps. Elle met leurs photos à la télévision devant le public en question. Et puis elle les insulte. Ce qu'elle fait là, il vous dit la vérité. Ce qu'elle fait là, si vous lui portez plainte là, elle peut faire prison. Parce que c'est un délit. S'asseoir à la télé et puis dire des grossièretés sur une personne par rapport à son habillement, c'est des injures. Mais comme on est dans un monde aujourd'hui où le bon est devenu le bien et le bien est devenu le mauvais, voilà pourquoi elle se comporte comme Satan. Mm-hmm. Le monde où on est là, c'est Satan qui est patron. C'est toi que sa fille satanière, elle gouverne. Sinon, en temps normal, elle ne peut pas. Moi, le jour que quelqu'un met ma photo à la télé, je dis bien, quelqu'un met ma photo à la télé, soit il te fait un CDI comme elle, et vous connaissez mes CDI, ils savent, soit il te fait un CDI comme elle, soit il te porte plainte. Et comme je sais que je n'ai pas le temps pour aller dans les commissariats, je te signe ton CDI. Et tu as vu ça au chaud. Parce qu'on ne joue pas avec mon image à la télévision. Normalement, quand tu dois parler de quelqu'un à la télé, normalement, la logique voudrait que vous les appelez. Allô, oui, je veux passer à la télévision pour parler de ton CD. Voilà, et puis la personne donne son accord. Voilà. Parce que quand la chose va t'appeler là, la première des choses que vous me donnez, madame, est-ce que vous êtes diplômée? Quand elle dit, oh, oh, hey, maman Langaï, tu as foutu. Donc, elle là, qu'est-ce qu'il me donne? Parce que même quand on voit des journalistes parler, c'est parce qu'ils ont le droit. Ils ont eu des diplômes en journalisme. Mais elle n'a pas ça. C'est une fille qu'on a ramassée sur Internet. Parce qu'elle est populaire sur Internet. On la ramasse et puis on dit, bon, viens à la télé. Et comme d'autres télévisions aujourd'hui sont des télévisions qui sont dans la médiocrité. Et c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. On montre aux gens comment insulter à la télé. Cette fille-là qui s'habille dans la brocante. Qui n'a aucun style vestimentaire. Qui n'a même pas une image de style à elle. Qui allait copier un style de Sylvia que je suis. Un style que j'ai porté en 2018 là-bas. Le style avec les bretelles. C'est-à-dire que j'ai mis ma chemise. J'ai mis le dernier bouton de la chemise. Et j'ai mis les bretelles bleues. Et j'ai porté des escarpins bleus. Des escarpins bleus. Avec un jean. Et puis une chemise. Le style des bretelles, j'ai fait ça il y a 5 ans de cela. Quand j'étais au Maroc. C'est la même qui vient le copier en 2023. Elle voulait des gens comme ça, la créer nouveau style. Il n'y a mieux pas. Ça pleure. C'est là, ça n'a pas tellement. C'est quand elle s'habille là. Quand elle s'habille, elle s'habille comme oui. Tu as, elle, vous voulez être copier. Vous voulez être copier. C'est elle qui vous apprend à habiller. Mais quand tu leur montres que non, c'est qu'elle fait la nous, elle a fait la longtemps, ça l'a fait mal. Comme c'est Sylvia. Ils ont cru que c'est. C'est quand j'étais avec quelqu'un, ils m'ont dit, oui.
Quand il était elle là, il est resté avec Gagamou parce qu'elle est poisson, parce qu'elle est maudite. Donc, est-ce que c'est la même chose? On parle du style avec bretelle. Elle a une bretelle ou pas? Elle a une bretelle sur chemise ou pas? Quoi, c'est pas même chose qu'au chapeau. Il n'y a pas un chapeau. On parle du style qu'elle a, vous dites chapeau. Pas un chapeau. Hein? Même chapeau là. Après le chapeau là. C'est ça derrière la sentence. Le style chapeau, pour ceux qui savent, le style de chapeau là, c'est ça derrière la sentence qui envoie ce style. C'est sa marque à elle. Ça veut dire qu'elle s'habille, elle met son chapeau. Mais comme elle n'est pas trop dans les bad buzz sur internet, comme elle n'est pas dans la saleté, c'est pour ça qu'elle allait tricher ça, c'est ça de la chanson. C'est ça de la chanson. Oh, du coup, elle se balade chapeau. C'est pas elle qui a créé, c'est une copieuse internationale. Elle ne s'est jamais recréée. Les seuls shows qu'elle sait faire en question, c'est aller à la brocante, s'habiller autant d'Alido. Et puis, ça s'en vient pour déposer. Donc, on dit le premier arrive. On va voir cette fille en question qui sait vraiment se mettre à l'aise. Cette fille en question qui parle du style, on se dit qu'elle allait nous faire un truc de malade, quoi. Un truc de waouh, quoi. C'est elle, là, quand elle s'habille, et puis c'est elle qui trouve que là, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Mais quand tu dis Roselyne Layo pour l'habiller, elle n'a jamais su habiller Roselyne Layo. Il a fallu elle, monsieur, pour qu'elle habille aujourd'hui. Elle est là. Il dit qu'il t'avait vu, mais on t'a donné Roselyne Layo. On dit qu'il faut la reluquer, il faut la changer, on va voir. Roselyne Layo, tu m'as pu. Les gens pensaient qu'elle s'habille Roselyne Layo. Elle n'a pas de forme. Elle n'a rien fait, tu peux pas l'habiller. Pourtant, tu es vorine, nounou. Oh Dieu, tu vois quelqu'un d'autre le tasse, on est là. Qu'est-ce que t'en as vu là? C'est compliqué. Laissez, c'est compliqué. On dit Roselyne Layo. Roselyne Layo est venue là. Malo. Voilà Roselyne qui t'a déposé là. On me dit, ah! Oh Dieu, quelqu'un d'autre fait travail de taille. Ce que tu n'as pas pu faire là. Quelqu'un d'autre le fait. Taille des gens pensaient à Roselyne Layo. Faut prendre telle robe. Faut prendre telle. Parce que le style, il peut coudre. Mais qui conseille Roselyne Layo? C'est ça? Tu n'es même pas parmi eux. La dame conseille Roselyne, peut-être tu viens de faire ça. Oui. Non, vraiment, dis. Tu te fais. Vorel, nous, que tu es. Vorel, nous. Quoi, Dio? Ils vont faire capture, hein, regardez, ils vont faire capture. Quoi, Dio? Ils vont faire capture pour déposer en coin. Quoi, Dio? C'est de toi qu'elle parle. Capture. À tes pipi, à tes toto. Quoi, Dio, la plus vorel, nous, de l'Europe, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. C'est la même qui a échoué 15 ans en Europe, qui a aidé à gauche, qui a aidé à droite, qui a aidé Facebook. Et puis elle dit Facebook, prends-moi, envoie-moi en Côte d'Ivoire. Facebook m'a sauvé. Quand elle est styliste. Une fille qui est dans les brocantes, quand on dit que non, il y a vite grenier. Elle attend tout le temps ses amis noirs, blancs, les gens finissent de porter la habille. Quand c'est truc, on peut dire, on va vite grenier. Puis elle est là-bas. Elle est plus belle que oui. Ça, c'est de l'époque de la reine Elisabeth que vous voyez. Elle a payé ça dans brocante et puis elle est là et nous. Merci beaucoup, Zélégan, pour les étoiles. Ça, c'est de la brocante. C'est pas brocante, j'ai payé ça dans l'école de la reine Elisabeth. Tu as pensé que pendant que tu étais à Kafouba Koulibaly en question, elle gagne. Elle m'a loué cette poste. Elle dit, je suis assise en train de boire de la neige et puis manger. Ah, Emma, c'est là-bas là. Ah, on attend Kouadjo. Kouadjo a sauvé le plumide. Kouadjo l'appelle. Elle va sauver le plumide. On regarde le snap, on regarde snap, on regarde snap, on regarde snap, on est fatigué. Primi, on est fini. Quoi, Dieu n'a pas encore snappé. On est dans Primi, et puis on voit qu'il y a un assis là-bas. Quoi, Dieu n'a pas snappé. Il dit, ah, il y a quoi? Et un coup, je suis assis, puis il regarde, il voit Galon ici de courir. Il dit, nia! La ville est sapée, hein? Elle est sapée. Elle a mis le truc, hein? Il dit, non, attends. Tu as oublié que c'est une mythomane. Attention. De la manière que tu la vois, la pépite, elle est assise là. Il y a quelque chose. Mon cœur ne m'a pas trompé. Il dit, attention, n'apprécie pas vite. De la manière qu'elle n'a pas snappé, elle va la vidéo TikTok. Elle va marcher sur le tapis rouge pour décaler, pour couper, pour sagacité. C'est qu'il y a quelque chose. Attention. Elle est pas assise là. Elle est assise. Toujours à côté de M. Reda. À l'opérance, elle est assise. Assise avec là-bas. Elle est là-bas. Il a dit que assise avec l'amour est appétit, c'est comment? Il y a la belle gueule. Oh, il est panté. Tu n'es pas panté ici, hein? Quand ça joue sur vous, vous me retrouvez dans la famille des félins. Hein? Quand ça joue sur vous, ça y est, au départ, vous êtes des gens. Bon, tu étais trop bien habillé, quoi. Tu vas le trop ou pas? Reste comme ça. Il t'a dit que pas sur Pablo, non. Pablo, elle détient les gens. Il était pas là. Tu dis que. Il y a beaucoup de dents. Tu dis que. C'est pas belle. Ma bouche est longue. Donc, reste comme ça. En tout cas, hier, amusement pas, j'ai oublié. Tu étais vraiment très bien habillée. Voilà. Donc, comme je n'ai pas trop de garçons, c'est pour ça. Voici, assez avec là-bas. Elle
est là-bas, chacun de son coin. Rémi, on n'en parle plus. Koutoukou. Rémi, en deux semaines, j'ai eu ton son. Il y a toujours les sons des gens et puis surtout ma monétisation. Allez écouter l'album de Rémi Adam, le morceau de Rémi Adam. Il a dit que mon koutoukou, un style ivoiro, koutoukou, Nigeria. Le son est pimpant, le son est chic, le son est doux. Le son, quand tu mets dans ta voiture et tu écoutes le son de Rémi Adam, c'est chic. Il est de retour plus mature que jamais. Il est de retour plus inspiré que jamais. C'est pas les colères où on en va pour appuyer. C'est des gens. Tu vois quoi, je suis bibi, je suis pas quoi, je suis poupi, je suis pas quoi. Là, il est artiste maintenant. C'est pas les plus gros, dit, je suis pas bon, et puis la plus faite dans sa vie, l'enfant le pédait, l'enfant le gâtait, l'enfant ne sait pas où il partait. Nya! Allez, la Rémi Adam, il est redevenu artiste, l'artiste qu'on a connu. Et puis, s'il te plaît, rentre un peu, j'ai besoin de regarder tes films, parce que tu es un très bon acteur. Moi, c'est là-bas que je t'ai connu, donc cherche à faire des films, voilà. Reprendre quand tu t'es bien repris, tu t'es bien inspiré, mais tu es un peu tombé, la promotion, elle passe un peu inaperçue, pour faire le boom. Donc, depuis deux jours, son morceau Koutoukou est en place. Allez regarder cela sur sa chaîne YouTube. Allez donner de la force. Comment tu pleurais hier? Pourquoi? Parce que t'as augmenté de Peter. Tu pleurais Peter. Tu t'es rappelé de Peter, mais de Rémi Adam. Qui d'entre les deux? Parce que je ne sais pas. Tu te rappelles de Peter, oui. Il te disait, tu es ma femme de ma vie, je vais t'épouser. La chanson me disait quoi hier? C'était quelque chose la même. Parce que la chanson, il n'est pas que c'était autant de Peter. Hein? Dites-moi le nom là. Le nom du Togolais. Son nom, c'est quoi même? La chanson là. Écrivez-moi. J'ai écouté ça ici, moi seul. Écrivez Père Dingso, c'est quelle chanson? La chanson du Togolais hier là, c'était une chanson autant de Peter, hein. T'as dit si tu toques, Santrino Raphaël, Santrinos Raphaël, lui aussi il ressemble à... C'est, on va pas divorcer, non? C'est pas lui, c'est pas... Ah, on va pas divorcer, attendez. C'est ça, non? Ah, la malade, oui, c'est ça. La malade d'amour est comme ça, tire papa, aïe, aïe, ça c'est toi, c'est Peter, hein? Il vous dit ça, la maladie est comme moi, est comme ça, tire comme pas, tire pour pareil. Elle a s'est fait pleurer un coup. Mon mariage, Peter. On peut s'asseoir comme ça et puis penser à Peter comme ça, maman. On peut pleurer comme ça pour Peter. Elle pleure fort pour Peter. Elle a s'est dit, aïe, Rémi est parti aussi. Merde, j'ai le goût, mais. Elle s'est rappelée un coup de tous ces goûts. Quoi, Dieu, tu vois, elle est même, tu pleures. Tu pleures quoi là-bas? Elle regarde. Le public ne m'a pas applaudi hier. Non. Je vais vous dire pourquoi le public n'a pas applaudi. Le public était dans un look béret hier dans la salle. Oui. Le public hier était dans un look béret dans la salle. Donc, elle assise là-bas. Le public est à côté. Mito, mito. Mito, mito. S'il y a raison, le public a dit que mito. Est-ce qu'elle est mito, mito? Tu vois la fille là, non? C'est elle qui s'est dit que la mito, c'est elle qui est là. Non, tu vois la fille là, non? La mito, là, tu vois, non? Elle dit que. Elle a commencé à pleurer un coup. Mais t'es parti, Rémi est parti, on est dans des mito. Elle est comme ça. Caramel, tu es méchant. Tu nous as montré un peu notre équité sur elle. On peut pleurer comme ça dans l'émission. Tu es aussi malheureuse que ça. D'ailleurs, quand tu t'assois pour faire TikTok de la joie, c'est faux. On peut pleurer comme ça. Et puis en plein plumide là. Plumide n'est pas encore fini. Hein? Et puis elle répond. Ça y est, nous on est sur Facebook ici. On s'amuse sur Facebook et puis elle nous répond. Pourquoi elle est dans l'émission? Elle n'a même pas attendu le lendemain matin. Genre aujourd'hui matin pour répondre. Dit, ah, ils disent quoi là-bas? Ah, ou bien attends, j'ai fini mon émission. Ah, hein? Dans plumide là. Une fille qui dit qu'elle n'est jamais sur Internet. Elle ne voit rien. Elle n'entend rien. Elle ne sait pas. Mais dans plumide, à l'instant, on a parlé pour dire qu'elle a pleuré là. On a mis la vidéo, tout ça. Elle s'en est fait snap. Elle a fait snap, c'est habile, hein. Elle sort son premier snap là. Moi, j'ai mal osé vous dire que non, je pleure. Ouais, hey, Seigneur Jésus. On pleure dans un événement comme ça. Et puis, son est. Elle allait dans un événement. Tu veux te demander que tu es stable, mais tu es pauvre. Tu es pauvre et puis tu es avare. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Montre-moi ton compte en bas, on voit. Tu es pauvre. Tu es une gros poivre. Tu es pauvre. Parce que tu ne peux pas aller à un événement et puis tu es incapable de te faire coudre un véritable habit. Voici la fille, si on l'appelle, on dit viens. Façon qu'elle a couru. C'est-à-dire que, hein, elle a tout fait. Elle dit bien, elle a tout fait pour ne pas qu'on puisse en photo même en OMH. Façon qu'elle a couru. La fille, c'est un coup pour quoi? Il a dit, on était assis là, un coup comme ça, on voit quelqu'un qui quitte là-bas. Elle était ici, hein? On dit, madame,
la sulfureuse Emmanuel Keita qui va venir donner le prix du meilleur rappeur. Elle était comme ça. Quand on va faire notre concert. Yves, bonjour. Elle a pris le micro. Bonjour, oui. Bonjour, oui. Il dit, on n'a même pas pu voir l'habit. Avant, où les dames marchent doucement. Les dames marchent. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive là. Et quand elle arrive. Quand le gars dit, la sulfureuse Emmanuel Keita va arriver. Oui, bonjour. Oui, Yves. Oui, dis-moi. On n'a même pas pu. C'est son totem, hein? C'est son totem, hein? C'est une fille qui refuse qui elle est. Tu sais combien d'années elle se bat pour ne pas qu'on dise seulement la question qui elle est arrêtée? Son personnage? Quand tu viens en pleine émission, regardez par plusieurs personnes dans tout le monde entier. Et tu oses dire la sulfureuse Emmanuel Keita. La sulfureuse veut dire personne démoniaque. Est-ce que tu comprends? Ça demande tous les gens qui l'appellent démoniaque. On va écouter un peu. Mon GBL est tombé. On va écouter la sulfureuse et puis on va continuer le live. Pendant ce temps, il nous reste 1300 étoiles à avoir pour arriver aux 5000 étoiles. Je vous en supplie, je vous supplie. Les amis de VET, voilà, mettez les 1300 étoiles, d'accord? Parce que je fais un travail de fond. Je vous amuse, je vous donne de la joie. Donc mettez mes petites pièces dans le panier, s'il vous plaît. Ça est là, il faut donner, ça est là. Prenez la carte bancaire, puis mettez, s'il vous plaît. La sulfureuse. Yeah. Non, on va écouter. On écoute. Merci beaucoup à Anna pour la sulfureuse. Pour les 1000 étoiles. Il reste 300 étoiles. Écoutez. La danse du Marmouya est sortie récemment. Allez, okay. Prochain tableau. On y va parce qu'on a une longue soirée devant nous, n'est-ce pas? Ah, oui. Avec, bien sûr, le meilleur feat urbain. Découvrons tous ensemble. Sulfureuse veut dire personne démoniaque, une personnalité démoniaque, voilà, qui a une mauvaise réputation, dont les paroles sont reprouvées, c'est-à-dire dont les propos, les paroles n'ont pas de valeur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez comment on l'a annoncé hier? Comment Yves Aïma l'a annoncé hier? Et je vis c'était applaudi dans la salle en fait en réalité. Merci beaucoup pour les 100 étoiles. Il reste 100 étoiles pour arriver à 5000. Allons-y. J'ai vu des gens applaudir. Donc, hier, à l'événement du premier, Emmanuel Keita fut humiliée. Oui, elle était humiliée. Elle a été traitée de personne démoniaque hier. Elle a été traitée de personne, comment on appelle ça? De personne ayant une mauvaise réputation. Bon, c'est quelque chose qu'on sait. C'est quelque chose qui est là, c'est une vérité. Mais l'annoncer comme ça, à la télévision, dans un événement où il y a plein de personnes, franchement dit, c'est humiliant en fait en réalité. Parce que c'est quelque chose qu'elle avait enlevé si elle. C'est quelque chose qu'elle ne veut pas que les gens sachent en fait en réalité. Mais hier, la honte a encore frappé à sa porte. Hier, l'humiliation a encore frappé à sa porte. Hier, elle a été humiliée encore. Après les pleurs, elle était encore une fois humiliée publiquement. Traité de personnes démoniaques, de personnes ayant une mauvaise réputation, de personnes ayant essayé une personne dont les propos, ça y est, faut même pas, on va considérer ce qui sort de sa bouche. En fait, en réalité, un fait qui s'est passé. Mais comme tu es bête et plus stupide, tu n'es pas intelligente, tu vas me porter un peu parce qu'il y a de côté un événement qui s'est passé hier où on t'a insulté. Tu vas laisser la personne qui t'a insulté puis venir chez moi. Donc, tu ne m'aimes pas. Yeah. Ton karma a fini quand? Ton karma a fini quand, Emmanuel Keita? À chaque fois, partout où tu vas, on t'humilie. Pardon. Pourtant, avant, tu étais chez maman Marie. Il faut arrêter de me battre chez maman Marie comme cela. Bah, tu vas pas, je sais pas. Donc, elle était humiliée. Et elle monte sur le plateau. On l'a appelée pour annoncer le prix. Comment on appelle ça? Le prix dire le nom de la rappeuse. Elle arrive, elle demande au monsieur. Est-ce que vous voulez que je continue ou bien est-ce que vous voulez que je parte droit au but ou bien je fasse en suspense? Le monsieur dit ben, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Et il a parlé d'une voix suave, gentille, bien. Mais vous savez, comme je l'ai dit, les gens pensent que quand on dit mythomanie, ça veut dire qu'elle est menteuse. Non, la mythomanie, c'est pas menteuse. Le menteur, il est là. Oui, le menteur, c'est quelqu'un qui ment tranquillement. Voilà. De temps en temps, il ment un peu pour ça. Voilà.
Mais la mythomanie, c'est l'excès du mensonge. Et quand ça arrive à un excès, c'est un trouble de comportement. Donc, Emmanuel Keïta a un trouble de comportement de la mythomanie. Elle pose une question. Derrière, ça commençait à bouillonner en elle. Elle a commencé à pleurer. Ça commençait à appeler de la frustration. Et son côté hautain de personnes frustrées, de personnes mythomanes, ça commençait à monter. Parce que quand le mythomane est quelque part, il veut que ce soit lui. Il veut que les regards soient tournés vers lui. Il veut qu'on parle de lui en tant qu'un roi ou une reine. Mais là, hier, elle ne s'est pas vue en reine ou une reine. Elle n'impressionnait personne. Elle n'était personne, en fait, en réalité, dans ce lieu hier. Donc, il fallait qu'elle montre quelque part qu'elle a de l'importance. Il fallait qu'elle montre que c'est elle, Emmanuel Keïta. Il fallait qu'elle montre qu'elle, elle vaut quelque chose. Et quand le monsieur lui demande qu'est-ce que tu vas faire, elle dévite tranquillement. Son trouble de comportement de mythomane apparaît, surgit en elle. Et elle trace, elle dit, ah, je suis pressée pour aller m'asseoir. Ouais, je dois rien des looks. Je suis venue travailler. Vous voyez, est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez le changement? Est-ce que vous voyez un peu la transition? Est-ce que vous voyez un peu le truc ou pas? Elle veut se montrer qu'elle est importante. Elle veut montrer qu'elle a un boulot. Elle veut montrer qu'elle travaille plus que... Pourtant, il y avait Yasmine Reda qui était bien là hier, qui travaillait à MCI. Il y avait Kadi Touré. Elles étaient là. Voilà, hier, ce n'était pas le travail. Hier, c'était de l'amusement et un événement. Mais très cher Emmanuel Keïta, pourquoi est-ce que tu demandes au monsieur si tu dois aller, si tu dois aller droit au but ou faire un suspense? Voilà. Et si tu avais vraiment un boulot, pourquoi tu venais à l'événement? Pourquoi tu as accepté de présenter les gagnants? Il fallait leur dire que non, je dois aller. Eh non, je suis pensée pour m'asseoir. Je dois aller la look. Tu arrêtes ton look avant d'aborder. Toi-même, ton look, là, est-ce que tu as regardé? Hein? Je dois aller la look, j'ai du travail. Genre, tu travailles quoi? Tu te comportes comme la nouvelle salariée, là. Genre, tu as trop de boulot, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, sachez que ce comportement qu'elle a failli, ne vous plaignez pas. Ne l'en voulez pas. C'est un trouble de comportement de la mythomanie, en fait, en réalité. Le mythomane, ou la mythomane qu'elle est, elle voulait montrer l'importance, qui elle est, qu'est-ce qu'elle vaut, ce qu'elle a. Et actuellement, pour elle, c'est qu'elle a des procès de grand. C'est cette connerie qu'elle fait à la télévision. Parce qu'elle est trop grande, en fait, en réalité. Donc, elle voulait montrer aux gens que c'est elle, Emmanuel Keïta, celle qui travaille à MCI. C'est ce qu'elle voulait montrer aux gens dans le public. Pourtant, dans le public en question, mais ce n'est pas un petit public. C'est des businesswomen. Voilà. Donc, ne l'en voulez pas. Ne l'en voulez surtout pas. Moi, je vous dis qu'elle est malade. Elle souffre de la mythomanie. Et ce que vous avez eu hier, parce que les gens n'ont pas compris, mais pourquoi tu es impoli comme ça? Elle n'est pas impolie. Elle n'a pas été impolie. Non, tu as été trop impolie. Le monsieur n'a pas vu que tu peux. Non, ce n'est pas de l'impolitesse. C'est un trouble de comportement de la mythomanie. Moi, je suis soignante ici. J'ai fait la formation sur les maladies dont je connais un peu. Et on est toujours en contact avec ce genre de personnes. Les bipolaires, parce qu'il y a de la paille dedans hier. Tu as mis assez de paille de raffia sur toi. Ton look laissait à désirer. Tu étais la fille la plus mal habillée hier. Ton habillement même te fait honte à tel point que tu n'as même pas pu faire de snap pour nous montrer ton habillement de princesse. Ton habillement t'a mal mis à l'aise hier. Tu t'es mal habillé. Tu t'es chargé de courir jusqu'aux oreilles. De courir ici, par-ci, par-là. Et tellement que tu t'as bien en chemise, tu n'as rien crié. Tu t'es assise là, t'as soulevé une chemise là, quelque part là-bas. Et tu te mettais courir dessus. Ils ont mis courir épaulette. Et pour finir, tu nous sors une couche avec des raffias à la danse de Dikaï Ladé. On dit style africainement chic. African chic. On n'a pas de tradition chic. Pas de tradition chic. Mais ça, c'est un truc pour aller à un événement traditionnel. C'est un habit pour aller porter avec les chrétiens, avec les stylistes français qui portent les trucs bêtes. Vous voyez, quand on dit événement, quand on dit, il y a des modes là, vous voyez les mannequins qui portent des habits bêtes. Là, ça y est, ils vont porter 10 habits. Et puis, sur 10 habits là, il y a deux qu'on peut, que deux qu'un homme normal peut porter. C'est ce qu'elle a fait hier. Mais il fallait attendre à un défilé de mode des stylistes et lui te porter ça. Parce que ça n'a pas sa place. Ce que tu as porté en question, ça n'a pas sa place dans un défilé de comment on appelle ça, de plumes. African chic. On n'a pas de traditionnel chic. African chic. L'African. L'Africain, le pâle. Modernisé. Il faut moderniser le pâle africain. C'est ça, on dit African chic. Tout le monde de montrer. Ça veut dire que toi, Emmanuel, quand tu as vu comme ça, tu fais le TikTok. Tu as défilé, mais ensuite tu as pu rouge pour montrer que tu es trop bien habillé. Tourne maintenant. Montre à un homme que tu es sapé. Mais on n'a pas dit tout cela. Toi-même, tu as convaincu ce que tu as fait, ces bêtises. Laisse les gens qui vont te
Nous, même, on appelle ça ma poubouée. Oui, c'est un truc de masque qu'elle a porté. Est-ce qu'on dit masque chic? Gentil, même toi, tu te rappelles de mon pays, quoi, de chez moi, quoi. Gentil, dis que ah, j'aime porter un habit là pour faire hommage à Sylvia. Parce que Sylvia, les guéris dans son pays, guéris là-bas, là, ils portent les trucs comme cela là-bas. Les masques là, dans ça. Pose ça pour danser. On peut faire ça, dama. Danser, quand il y a des thématiques que tu sois. Donc, quand tu as parlé de look des gens, quand tu as soif pour humilier les gens, pour les rabaisser là, il faut penser à ce que tu as porté. Et quand tu te retournes, même tu regardes ton derrière, franchement, dis, c'est quoi cette bêtise que tu as portée hier? Et ton habit était rebourré, on ne sait pas si ta vie couche en bas de toi. C'est quoi ça en fait en réalité? Tu as voulu que toi-même tu sais que ce que tu as porté, c'est des bêtises. Voilà pourquoi tu as préféré prendre côté assis. Parce que assis, c'est joli. Parce que quand tu es assis, on ne voit pas le bas. C'est la première fois que tu portes un habit et puis tu es incapable de montrer une photo entière bien arrêtée comme ça, bien chic. La seule photo entière que tu as montrée, c'est le truc des plumes à barrer, ça va, on peut bien voir la devanture de ton habit. Toi aussi, tu as ça pour parler des styles des gens. C'est cela que vous dites que oui, elle a montré style aux gens. Quand on montre style aux gens, on n'est pas dernière. On ne montre pas style pour être dernière. À chaque événement, même ici, il n'y a pas comme ça pour elle. On dit faut lire, tu écoutes ce que les gens disent dans le truc. Mytho, si il a dit qu'elle est mytho, si il a dit qu'elle est mytho, faut lire qui est rappeur. Et puis tu es là, bonsoir. Et puis ton oreille dans le public pour écouter ce que les gens disent. T'es comme ça. Tellement t'es frustré en fait en réalité. C'est ça que vous riez, vous dites que oui, si il y a, tu es malheureuse. Ça là. Parce qu'il ne veut pas faire TikTok pour vous montrer que c'est en joie. Il n'y a pas besoin de vous montrer ça. Vous avez vu hier que votre cune est malheureuse en fait en réalité. Parce que ça soit là. Et puis pleurer. On parle de mal d'amour, puis elle pleure. Elle est en chance, puis elle pleure, elle est triste. Pendant tout le moment, elle est très comme ça. Triste. La tristesse, elle est à la suite hier. Hein? Si ce n'est pas AliExpress. Tu es pauvre et puis tu es star. Quand on est pauvre, on n'est pas star. D'accord? Quand on est pauvre, on n'est pas star, ma chérie. Tu es pauvre et puis tu as va pour mettre dessus. On peut avoir deux trucs comme cela. Tu es pauvre et puis tu as va pour mettre dessus. Quand on est pauvre, on ne peut pas être star. Parce que quand on dit star, c'est ce qui brille. Donc quand on est pauvre, on ne peut pas briller. Donc tu ne peux pas être star. On dit, va te prendre un styliste. Si ça va pour aller faire à ta coup des gens qui courent habits pour te faire porter un habit cadeau, tu ne peux rien créer. On dit, va porter coupe habit. Tu es incapable. Ça y est, hier, là, si tu avais posé trois habits là, ton vilain habit que tu as porté, comme tu as porté, c'était vilain. Tu pourrais chercher pour prendre un autre habit. Mais comme tu es pauvre là, tu as posé ça pour porter là quand même. Zadie, est-ce qu'il est la même? Faut venir nous dire qui a posé ton habit là en question. Tu es incapable. Oh, même truc là. Faut sortir d'ici. Faut sortir de là. Tu ne veux pas sortir de là. Depuis quand tu portes ta habit, tu te craches derrière le truc. Sors de là. On va finir le habit. Elle a mis une belle soirée. Félicitations aux lauréates. Écoutez bien. Team Glam. Moi, Nadia Atesta. C'est ça qui a fait son make-up. Hey, Rachel Institute. Ça, c'est ça qui a fait les cheveux. Skit et bag. JMS. Ça y est. Le sac, c'est JMS. Bijou corps. La télé, c'est Sephora. Qui a cousu à Bula? Elle n'a pas mis. Qui a cousu la bille, elle n'a pas mis. Yeah. On peut avoir honte de son habit comme cela. Hein? On peut avoir honte de son habit. Qui a cousu la bille? Viens lui dire, viens nous écrire qui a cousu ton habit. Moi, je vais faire cracher, je vais te déposer puis elle le cracher. Qui a cousu la bille là? Pourquoi aujourd'hui tu portes un habit de la création, de la créativité, de la création, et puis tu ne mets pas le nom de la personne? Elle n'a pas mis. Qui a cousu joue et porte les mains comme c'est bizarre. Donc il faut vraiment bien sobre. Donc Nadoria Altes est avec un très bon make-up. Même si ça dit pour que tu puisses ressortir vraiment trop belle, bien belle, elle a mis beaucoup de fond d'été. Beaucoup. Elle a appuyé, elle a enfoncé le maquillage. Mais c'était vraiment joli. C'était vraiment parfait. Elle maîtrise ton visage. Ça, je te le dis en même temps. Mais qui a cousu Abby la vie me dit. Je vais aller le cacher. Parce qu'on ne peut pas te faire porter ce genre d'habit. Et puis tu as venu faire tout ça. Ça y est, tu as fait défiler rapide à un point regard. Tu étais très mal à l'aise. Je n'ai pas apprécié ce qu'il a fait. Donc viens dire qui t'a causé l'habit là. Moi, je vais le cracher. Habit de là-bas. Viens dire qui a causé ça.
Donc, mes chers amis, le verdict du premier nous dit que Emmanuel Keita, parce qu'on a trop duré, Emmanuel Keita a été la fille la plus mal habillée du premier. Mais elle était vraiment belle hier pour la première fois. Tu adores, non? Quand elle dit que tu es belle, tu aimes ça, non? Et quand on dit que tu es belle, ouais, tout ce que tu fais, quand on dit que tu es belle, hier, tu es belle, hein? Sérieux. Tu avais un très bon mec quand tu étais belle hier. Ça, je te l'ai dit en fait en réalité. Tu étais belle hier. C'est bon, non? Mais viens me dire qui a cousu Abila. Viens me dire qui a cousu ton habit de la balada. Plus jamais je vais te voir dans ce genre d'habit. D'accord? Plus jamais. On ne va pas à l'événement. Écoute-moi bien. Quand on est poivre, on n'est pas à l'événement. Sur ce, j'espère que le live vous a plu. Je vais que vous avez beaucoup rigolé. Voilà. C'était Kwadjo Kwadjo. On va se poser un peu demain. Je vais faire un live, mais ça ne sera pas sur toi. Maintenant, mon live que j'ai fait là. S'il y a un mouton qui vient me provoquer là, tu peux prendre balle perdue. Parce que je vais te laisser reposer un peu. Tu vois, le truc ou pas, tu vas te reposer un peu. Il est trop accéléré à toi. Il y a 5 mois sur toi. Il est accéléré à ton corps. Donc, tu vas te reposer un peu. Voilà. On va parler d'un sujet demain. Je vais parler un peu de Emma Louest, de Yves Doro, tout ça demain. Parce qu'il faut que je l'aime. Je parle un peu d'eux. Donc, on va poser un peu sur toi. Je ne voulais pas parler de toi hier. Sérieux, Dieu m'en témoin. Mais tu crées toujours quelque chose pour qu'il puisse parler de toi. Moi aussi, ça me plaît aussi. Donc, on va couper le live. Max Zuberghan, quand il y avait 2 heures de live, là, il prend mon live. Il s'en jouait ça d'abord. Il s'en jouait ça et puis il me ramène. Marco, il te répète. Marco, il t'a jamais envoyé des vers monétisation. Si tu vois que mon exemple te dépasse là, il faut déposer, il faut enlever. Je ne veux pas que tu prennes mon live pour aller t'amuser avec ça. Aller faire 5 heures et puis revenir avec mon live. Je ne t'ai pas envoyé de faire mon exemple. Donc il faut déposer. Voilà ce que tu fais là. Tu m'empêches d'avoir mes views. Tu m'empêches d'avoir mes views. Si tu continues, il va poser la caméra et puis te clasher. Tes mains te clasher dans ma cou. Te clasher des mains. D'accord? Je vous aime beaucoup. Bon, on va aller au travail. C'est pas facile. On le voit. C'est quelqu'un qu'on voit que vous voulez faire clash. Vous êtes normal. Vous êtes normal. Vous ne me connaissez pas encore.